Bonjour à tous les amigos et bienvenue, c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de cette série de Let's Play sur Foundry. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai la forme. Je suis en vacances en plus. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette aventure. Lors du dernier épisode, on a fait quoi? On a installé la ligne de production pour les packs Science 3. On commence à rattraper la partie précédente. La partie précédente, on en était à peu près là. Aujourd'hui, au programme, on va augmenter la production des matériaux, des minerais. Et des matériaux primaires, en fait, les plaques, les tiges, etc., etc. C'est le programme du jour, quoi. Allez, on y va. Charger, hop. Allez, nous voilà en jeu, et donc, on va se concentrer sur la production de matériaux. Alors là, on est dans le bâtiment de Xénophérite. Donc, on va aller au rez-de-chaussée. Alors, pas au rez-de-chaussée, au premier étage. Et on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, on va prendre un truc de production. Sans faire un bruit, c'est au-dessus que ça fait ce bruit-là, bah dis-donc. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est transformer les minerais en lingots. Alors, les minerais en lingots, c'est pas là-dedans, c'est dans les fonderies. Alors, attendez, hop. Je vais aller direction par là. Tac, je prends les fonderies. Voilà, on retourne de l'autre côté. Voilà, on pose une fonderie par là. Et on va regarder ça à l'intérieur. Donc, on amène du minerai de xénophérite et on fait un lingot. C'est ça? Deux minerais, un lingot. Ok? Avec ces deux minerais, du coup, je les amène ici. Et bah, avec un lingot, donc avec deux minerais, on fait deux plaques. Alors qu'avant, avec deux minerais, on n'en faisait qu'une. Donc, on double la production. Donc, pour faire ça, il va falloir installer donc, des lignes de fonderie à ce niveau-là et transformer les productions au-dessus de plaques de xénophérite, les passer de plaques à partir de minerais, de plaques à partir de lingots. Voilà, on a tout dit. Allez, au boulot. Voilà, première installation faite. J'ai installé 4 lignes de 4 fourneaux. Ça fait 16 fourneaux. Il en faut à peu près 5 par ascenseur. Donc, je vais essayer de dispatcher ça au mieux. Mais dans le truc, ça fait à peu près ça. Maintenant, il va falloir tous les raccorder. Et puis on y va. Il y a juste une petite précision auquel il faudra penser avant peut-être de les mettre en route. C'est que il me semble que ça demande de la haute tension, les fourneaux. Donc, il va falloir faire venir de l'électricité. Il va falloir mettre des transformateurs aussi. Et il va surtout falloir vérifier qu'on ait assez de courant pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même. Branchement d'abord. Alors, j'ai raconté n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin de haute tension, ces machines-là, puisque de toute façon, je peux accéder au menu. Donc, c'est que ça fonctionne. Statut activé, il y a du courant. Par contre, il faut quand même que je fasse attention à l'utilisation du courant. On voit que, effectivement, bah, on est sur batterie, là. On est déjà à fond. Hein. Donc, avant de mettre en route quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la production d'électricité pour être sûr d'être tranquille. On voit que ouais, c'est les batteries qui sont en train de prendre. Hein. Donc les générateurs, ils génèrent 15 mégawatts, mais on en consomme 17. Donc ouais, vraiment, je vais augmenter la production d'abord. Je vais même la doubler, je pense. Mais alors, donc pour doubler cette production d'électricité, il va falloir que j'augmente la production d'ignium. Comment ça s'appelle ça déjà ? Ignium, oui, c'est ça, d'ignium. Puisque du coup, là, vous voyez, bah, les tunnels sont en train d'être creusés, mais ça suffit pas pour fournir pleinement ma ligne de d'ignium. Et donc, il faut que j'augmente la production, donc le nombre de foreuses d'ignium, pour pouvoir être assez efficace, pour pouvoir alimenter toute cette nouvelle énergie que je vais mettre en place. Donc, là, il y a le boulot. Je vais d'abord creuser la roche, et après, je m'attaquerai à la mise en place des nouveaux générateurs. Voilà pour le sous-sol, j'ai doublé la production d'ignium. J'ai joué de la dynamite, j'ai fait péter un peu toute la caverne, je l'ai bien reculé, et du coup, j'ai pu installer deux foreuses supplémentaires, voilà, qui travaillent à plein temps. Et du coup, j'ai encore de la place pour pouvoir m'agrandir, mais de toute façon, le sous-sol est un peu infini. D'ailleurs, on voit très nettement que ça creuse quand même pas mal, hein, ces tunneliers. Bah là, on va en faire deux de plus. Donc, on va avoir 4 tunnels qui vont partir dans cette direction-là. Et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Allez, maintenant, il faut aller vérifier au-dessus ce qui se passe, au niveau de l'énergie. Est-ce qu'on a assez de prod? Est-ce qu'il y a assez de minerai qui est miné? Et est-ce que du coup on a assez d'énergie qui est produite? Alors c'est mieux au niveau de la prod, les 6 tournent à plein régime,
Mais par contre, j'arrive pas à alimenter les 6 d'après. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il faut que j'augmente ma production d'ignium pour que du coup ça commence à être efficace. Ouais. Ou alors, c'est les convois qui sont peut-être un peu short en termes de débit. Que je révise ça. Un ascenseur, ça fait combien? Est-ce que j'en ai un sur moi? Non, j'en ai pas sur moi d'ascenseur. Je vais en fabriquer un, voir. Non, c'est pas marqué. Il me faut des faisceaux d'acier. Je vais aller chercher ça. Remarque, avant de faire des ascenseurs, peut-être que je peux lancer quelques recherches, notamment les convoyeurs 3, qui me permettront de débloquer la recherche des élévateurs 3. Peut-être que en augmentant du coup la rapidité des élévateurs, peut-être que je pourrais pour le coup être plus efficace au niveau de mes broyeurs. Voilà, convoyeur 3 fait, élévateur 3, on y va. Ouais, j'ai ce qu'il faut en plus. Parfait. Fais voir ce qu'il faut pour les fabriquer, les convoyeurs 3. Des circuits imprimés. Ah ouais, bah peut-être que je vais pas pouvoir tout simplement faire des élévateurs 3. Parce que je n'ai pas du tout de production de circuits imprimés pour l'instant. Fais voir combien c'est un élévateur 2 déjà. Un élévateur 2, c'est 640. Je sors 2 fois 320, donc ouais, non, je peux pas. Faut que je fasse un autre élévateur, en fait. Ok. Fais voir l'élévateur 3, pareil, des circuits imprimés. Voilà, donc au moins on aura testé. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à exploiter l'autre partie énergie. Je vais la mettre en place, je vais la mettre en route. Comme ça, je vais pouvoir démonter l'ancienne partie énergie. Alors attendez, je vais montrer carrément en jeu, ça sera plus simple. Voilà, je vais mettre en route cette partie énergie-là. Comme ça, je vais pouvoir démonter ces deux générateurs-là. Et je vais pouvoir, à la place, mettre un autre élévateur avec d'autres broyeurs derrière. On va faire ça. Oh non, blackout! Ah ouais, non, ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon au niveau énergie. Ah, effectivement. Fais voir, hop. Eh ouais, j'ai un besoin de 20 MW, j'en produis que 15, ouais, ça devient urgent, là. Donc, on va procéder rapidement à l'installation. Comment on fait? Les nouveaux générateurs vont se mettre en route. Bien, on produit 35 MW, notamment 37,5 avec les générateurs à combustion, sachant qu'on va en enlever, mais là, on produit 42. Ah oui, mais on consomme 20-25 MW dans les batteries. Donc, les batteries vont vite se recharger. Je vais démonter les anciens et on va voir ce que ça donne. 44 MW, on est toujours à plus 25 à peu près. Non, on est vraiment bien là. On est vraiment bien. On a 25 MW de plus. Que prévu, donc pour l'instant c'est parfait. Au niveau de l'ignium, le stock augmente, on est aux alentours de 400, on va voir si s'il arrive à résister aux alentours de 400, mais j'ai peur que voilà, ça retombe, hein. J'ai l'impression que ça retombe. Je vais commencer à faire un autre ascenseur par ici pour installer une autre ligne de broyeur. Petite recherche d'ordre fonctionnel, j'avais oublié l'inventaire, c'est pas mal, ça coûte pas grand chose et surtout ça me permettra d'avoir une ligne supplémentaire et voyez je suis déjà plein, donc ça sera pas de refus. Tadam ! Yeah, c'est top. Alors voilà, le trou a été creusé, je vais enlever l'élévateur et je vais mettre à la place un élévateur de matériaux. Et on va voir où est-ce que ça tombe à peu près, et on va raccorder à ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre en route tout ça. Hop, ça sort, parfait, ça y va. Et on y va, on broie aussi de ce côté-là. Donc j'ai pas fait les sorties, on va les faire. Alors ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir utiliser le même convoi. Et voilà, on a augmenté clairement notre production d'ignium. Donc là, de toute façon, on voit bien, le coffre est plein, donc ça c'est blindé. On va pouvoir continuer à exploiter du coup, au niveau énergie, au niveau acier. Là, on va manquer de rien. C'est parfait. On va s'arrêter là pour cet épisode. Déjà, il va être assez long. C'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Ce que j'avais prévu au départ, c'était d'upgrade les différentes machines, les lignes de prod, en passant notamment les minerais en lingots. Voilà. J'ai absolument pas pu faire ça puisque j'avais un problème d'énergie
à l'origine, moi, j'avais un problème. On commençait à être un peu short en énergie et du coup, il était primordial d'abord d'assurer une bonne production d'énergie avant de développer encore un peu plus la base. Sachant que là, je suis à une consommation d'environ 18 MW, on est en pleine nuit. C'est ça, on est en pleine nuit, il est 23h, c'est ça. Donc j'ai quasiment le double de... Enfin, je peux produire le double de ça. Donc j'ai de quoi voir venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire surtout si vous avez des questions ou des suggestions. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure sur Foundry. Bye bye tout le monde.